She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling. Hi, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve sur une vidéo mode. Donc ça va être un haul un petit peu. Au début, je vais vous montrer quelques nouvelles pièces, les nouvelles pièces que j'ai pu acheter ces derniers temps. Donc version haul. Et ensuite, vous aurez le lookbook. Du coup, avec les nouvelles pièces que j'ai, plus des anciennes assemblées pour faire des tenues spéciales automne. Ouais, automne, hein, clairement, parce que il fait pas encore trop froid, mais il fait un peu froid, donc voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors, première pièce, c'est un pantalon de chez CEA. Du coup, en fait, c'est ce genre de pantalon-là que j'ai pas vraiment. Et cette couleur, j'aime bien, parce que j'avais pas de pantalon de cette couleur. Donc, il est comme ceci. Il est vraiment hyper taille haute et il est super joli. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne comme ça, mais vous le verrez porté. Et je le trouve super joli, puisqu'il est à la fois... classe. Sinon il est très large comme vous pourrez le voir au niveau des jambes. Du coup j'ai associé ce petit pantalon. Donc voilà, vous pouvez voir ce qu'il donne. Il est taille hyper haute avec un haut blanc tout simplement. Donc ça peut être un pull blanc, enfin quand il fait un peu plus froid et tout. Sinon un petit t-shirt et ma petite veste en cuir. Voilà, tout simple. Hein. Et du coup bah, ça donne une tenue je trouve... assez stylé. Seconde pièce aussi de chez CEA, c'est une chemise oversize comme celle-ci, parce que ça faisait un petit moment que j'avais vu ouais, ça faisait vraiment super longtemps que j'avais vu en fait une chemise jaune en fait comme ça à carreaux, et j'avais eu un gros coup de cœur quand je l'avais essayé, mais elle était un petit peu chère. Et celle-ci bah j'ai trouvé un peu le même style que ce que j'avais. Donc je vais vous dire la taille que j'ai pris, c'est 3 XL, 47-48. Voilà, chemise de daron que je peux porter oversize, en robe, enfin il y a plein de façons de la porter, et c'est pour ça que j'aime trop voilà, ce genre de chemise un peu oversize. Ensuite la chemise, je l'ai mise avec un haut noir et un petit short noir et des cuissardes. Après on peut mettre des collants pour pas avoir trop froid et tout, mais en fait on peut la porter n'importe comment. On peut la porter ouverte comme ça, voilà, ouverte, oversize, faire un nœud. On peut mettre les boutons, ne pas les mettre, même la porter avec une ceinture par exemple. On peut la porter n'importe comment en fait, et c'est juste trop bien. Genre comme ça aussi, enfin vous voyez, trop bien. Donc voilà. Nouvelle pièce. C'est une veste, enfin c'est un blazer en fait, que j'ai acheté chez Stradivarius il y a quelques jours. Donc je l'ai pris taille M. Voilà, je voulais un petit peu plus large que ma taille. Blazer carreau, parce que j'avais pas de blazer un peu vraiment genre très femme d'affaires tout ça. Donc j'avais envie d'en avoir au moins un, parce que bah du coup pour nos oraux pro entre guillemets, en cours on doit s'habiller pro des fois. Du coup je me suis dit que au moins cet investissement allait me servir plusieurs années en tout cas. Pour m'habiller en pro, je trouve vraiment ça fait très businesswoman. J'ai été en promo à 19€ au lieu de 25€. Pour la tenue businesswoman, obligée de mettre des talons. Et genre avec une ceinture, moi je l'avais portée comme ça. Sinon vous pouvez le porter ouvert ou même ouvert avec une jupe ou quoi. C'est super beau. J'adore. Les pièces les plus simples qui soient, un t-shirt noir, manche longue, tout simple, ou pantalon, genre type pince. Genre ouais, un pantalon quoi, il est un petit peu serré en bas, je trouve super beau. Ensuite, j'ai, bah du coup, il y a Stradi aussi, j'avais acheté cette veste. Alors cette fois, celle-ci, ça fait un petit moment déjà, parfait pour l'automne, parce que c'est une veste qui est pas trop chaude mais pas trop froide non plus. Enfin franchement elle est juste parfaite. La couleur je kiffe. Donc celle-là c'est taille S, donc vous verrez elles sont grave oversize et elle est grave longue. Donc voilà, je la trouve trop belle. La veste, je trouve que c'est elle aussi qui fait toute la tenue, c'est-à-dire qu'en dessous de la tenue on est habillé hyper simplement. Donc j'ai encore mis un haut noir tout simple, et j'aime bien mettre soit en bas du noir, du blanc, ou je trouve qu'il va bien aussi avec le gris. Donc un petit jean gris. Yeah, we fake it till we make it, or we break it off and hate it. Getting faded, getting naked every time I feel impatient. And sometimes I can't escape it. I just wanna... Je fais beaucoup plus attention, j'essaie de moins acheter de vêtements et tout. Des fois quand j'en achète, bah, je me fais plaisir, et quand j'ai un coup de cœur, mais là franchement vous verrez que ces derniers temps j'ai pas non plus acheté énormément de vêtements. Donc le dernier c'est un Jogo comme ça, donc c'est les Jogo Stradivarius. Il était à 12,99€. En taille S ici, et j'aime vraiment, j'ai bien aimé en fait la coupe, parce que il est taille bien haute comme on aime pour les jogos. J'aime bien l'élastique hyper serré à la taille, et il y a un élastique aussi aux chevilles.
pour traîner chez soi ou même pour faire du sport quand il fait un peu froid ou éventuellement avec le reste d'une tenue un peu plus habillée, je trouve qu'on peut grave le mettre pour sortir. Donc c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est de le mettre en version habillée. Genre même si vous avez un jogging, vous pourrez paraître habillé. Et ouais, je trouve que même la couleur, elle est assez stylée. Donc ça va, on peut vraiment faire plein de choses avec cette pièce-là. Le jogging, il est hyper confortable. Hein. Je suis trop bien dedans. Bah j'ai mis un truc tout simple, hein, franchement, mais vraiment les colliers, c'est ce qui va faire toute la différence, je trouve. Comme il est hyper taille haute, j'ai voulu plus lever mon t-shirt. Voilà. Aussi, je peux rajouter une petite veste, donc veste en jean noir, courte, oversize. Celle-là vient de chez Shein, j'avais dû vous la montrer, une tenue complète. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We never stop. Maman, c'est top. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment que ce petit haul slash lookbook vous a plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. En fait, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo mode. Mais voilà, je suis de retour avec ce genre de vidéo qui normalement vous intéresse. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Oh,